Et salut à tous, je suis pas sur le bon setting, du coup ça marche moins bien, mais voilà. Et donc après ce petit fail gentillet, on se retrouve donc pour le mode Chronique d'âme, quatrième épisode. Donc j'ai rechangé mon setting parce que je me suis rendu compte que c'était guère mieux que je le change ou pas. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve, qu'on reprenne là où on en était, c'est-à-dire la chronique d'âme 18, les feux de l'enfer. Voilà, je vais virer ma tronche. Hop là. Et on va pouvoir rejouer tranquillou. Comme ça, le coup fatal venait d'être porté. L'armure de Nightmare était au sol, fissurée, proche de la destruction. Des flammes s'échappant des trous à la manière d'un liquide. Pourtant, Soulage était toujours là. La mission n'était donc pas terminée. Franchement, si c'est le dernier épisode, je m'en voudrais d'avoir coupé là. Oh. L'épée de Chi, quoi. Issu de l'école Ling Chun Che. Non, je sais plus le nom. Ready. Oh putain, Inferno. Ça me ramène tellement à Soul 2. Merde, putain, j'avais pas compris qu'il se baissait. Ouch. Deux coups de pied pour finir. Allez! Ah, mais. Putain, je suis parti sur le côté. Ah, j'ai remarqué aussi qu'on est en train de maltraiter le. Voilà, vous entendez maltraiter le comment ma manette. C'est pas grave. Applaudi par la critique. Ah si, j'ai touché un autre soul, je viens d'y repenser, j'ai Broken Destiny. Je sais pas si je l'ai toujours, en théorie oui. C'est pas mes jeux, tous mes jeux PSP là. Oui, je l'ai toujours. Ah merde. C'est un fail, je crois. Je regardais pas. Je regardais ma collection de jeux. C'est Tom. Ah putain. Je vais filer une victoire là-dessus, quoi, parce que je regardais mes jeux. Allez, j'espère que ça le bute.
comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Un petit souci de cadrage de la fenêtre. Voilà. Ça va mieux. Alors, Inferno laissa échapper un gigantesque cri de douleur après l'attaque de Tiangua. Le combat aurait dû prendre fin, mais hélas, Inferno se releva en voyant la force surnaturelle d'Inferno. Tiangua réalisa à quel point elle était à bout de force. Et quel est donc ce succès applaudi par la critique? Réussissez 20 Edge Critique. Waouh! Terminé. Non! Espèce d'entêté. Ah oui. Oh, le miroir, le trésor sacré qui s'est cassé. C'est ok, je suis sous ma forme démoniaque, mais c'est ok, y'a pas de soucis. Y'a pas de problème. Yes, oui, travail. Les vrais reconnaîtront l'origine de ça. C'est parce que je l'ai revu repasser y'a pas longtemps. Ce personnage. Cause d'un fameux jeu de plateau qui est adapté. Ouh, m'a mis tellement cher. Oh, je suis déjà mid-life, putain. Tu veux jouer sur la porte, salaud? cette remontada. Calmez, gros. Ah putain. Ah putain. La chope gagnante. quand je vous dis que je suis garanti sans skill. Ah putain, c'est à celui qui aura la plus longue quoi. Ah je suis non, je suis pas mort, quel est le miracle? Bon là je suis KO. Jamais eu. Ok, c'était absolument pas ce que je voulais faire, mais why not? Non, mais... Ah...
Je déteste Inferno. Je suis mauvais, très mauvais. C'est vraiment mauvais, hein, putain. Mais malgré tout, je tiens à vous le montrer. Du moment que je prends mon pied, j'ai envie de dire. Oh non, la soulette, je l'ai cassée. Mais pourquoi? Pauvre soulette. Chronique d'Hamdun, choisir son propre destin. Soulette était enfin détruite. L'espace dans lequel le groupe se trouvait commença enfin à changer et à tomber en ruine. Toute la puissance contenue par Soulage menaçait à présent d'engloutir Kilik et ses compagnons. Ouais, l'épée sacrée. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, je The swords once again left their mark on history, and still the march of fate continues onward. Ils sont où les sous-titres? Il manque les sous-titres. Attendez, ça se finit comme ça? Putain, non, mais sans déconner. Mais pourquoi j'ai arrêté la vidéo avant, putain? Je vous aurais torché ça, ça aurait été bon, putain. Non, mais non, putain. Alors, que dire de ce mode chronique d'âme? Beaucoup de blabla pour pas grand-chose finalement, il n'y a pas tant de combat que ça. Et même si je me suis montré particulièrement mauvais, à part le dernier, il n'y en a vraiment aucun qui m'a vraiment posé de problème. Et pourtant, on a joué essentiellement avec des personnages que je peux pas blairer et que je. Et dont la maniabilité est complètement différente de celle dont j'ai l'habitude. Sachant que que ce soit dans Soul 2 et dans Broken Destiny, je joue avec Mitsurugi quasiment la plupart du temps. Dans le 2, j'ai fait un peu de Link, un petit peu de Spawn, en fonction de la version. Et dans Broken Destiny, j'ai fait un peu de Kratos. Mais voilà, ça se limitait en général à ça. Amitsui, quoi, c'était pas plus. J'ai guère dosé plus de persos que ça. Oh, j'ai au moins fait un arcade avec chaque perso, quand même, faut pas pousser, mais je suis sûr que si je pouvais rallumer ma Xbox, ça me dirait que mes stats de perso, ce serait Mitsugi
à 75-80%, et puis 1% restant, c'est les autres persos, quoi. Donc bon, moi... Je suis un peu déçu quand même de ce mode chronique. Après, c'est clairement pas le mode qu'ils ont mis en avant, je pense, dans le jeu. Je sais pas ce que donne le mode balance d'âme. Je pense que je verrai. Enfin, c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus conséquent, un peu à la maître d'armes dans SC2, dans Soul 2, mais du coup, ouais, c'est un peu déçu, mais. De ce que j'ai compris, la licence revient de loin parce que Soul 5 et 4 n'ont pas tant bien marché que ça. Je pense que Soul 2 avait bien marché parce que il y avait un perso différent par version et un guest différent par version, et c'était plutôt cool d'avoir des guests tels que Link pour la GameCube. Hiroshi Mishima de Tekken pour la PlayStation 2 et Spawn pour la version Xbox, donc un personnage de comics. C'était plutôt cool d'avoir des choses assez variées au niveau des persos, et pour le coup Soul 3, je sais absolument pas s'il y avait un guest parce que j'y ai vraiment pas touché. Et Soul 4, c'était Dark Vador et Yoda en fonction de la version, ce que j'ai trouvé bof, pas bon, certes, ils s'intègrent bien parce qu'ils combattent à l'épée, mais c'est assez particulier du coup. Et Soul 5, j'ai même pas vu passer, j'ai envie de dire. Parce que j'avais pas la console pour le faire tourner, donc. Donc je peux rien en dire, et Soul 6, je m'étais dit allez, il y a Geralt, c'est le bon principe de revenir sur la série, et puis finalement l'annonce de Tubi m'a fait ouais, alors du coup je mets l'instabuy, tant pis, j'attendrai pas. Et le problème, c'est qu'on sait pas quand Tubi arrivera. Du coup maintenant c'est Wait Tubi pour voir s'il y aura du contenu supplémentaire. Enfin, on sait que Tubi, en plus, il y aura une version avec la tenue de Kainé. Et Kainé, quoi, please, quoi, c'est juste trop cool. Je suis en train de me demander d'ailleurs. C'est top. Mon petit robot de l'univers de Nier Automata. Top. La lifeform. Hop, plop, plop. À qui j'avais normalement mis le son sur la tête, mais je sens qu'on est encore venu sur mon bureau modifier 2-3 trucs là. Alors, faut maintenant qu'il repose ses pieds correctement. Non, le son va tomber. Voilà. Le petit robot. Qui est accompagné. La Bringards. De Tubi. Qui va courir dans ce sens-là, qui affrontera Kainé quand j'aurai reçu Kainé. Et puis la petite Tubi en peluche, qui est vraiment toute petite. C'était un peu la déception quand on l'a reçue. Je l'ai reçue, même si les dimensions étaient données. Mais voilà. Moi, je pourrais aller chercher la pop Geralt au passage, mais j'ai la flemme. Il est pas sur mon bureau et pas vers moi. Enfin, toutes mes potes d'ailleurs sont pas vers moi, mais voilà, c'est. Et y a pas moyen de passer ce putain de. Ah si! Si! Je suis juste trop con, j'appuie pas sur Start! Je suis juste teubé, putain! The legend will never die. Aïe 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 aïe. Bon, c'était plus de la papote que du jeu, du coup. Faire l'histoire.
Ah, il y a d'autres trucs qui se sont rajoutés. Bien, mais comment tu fais? Ah, d'accord. Au-dessus, c'est l'histoire principale. Ok. Donc là, c'était le dernier point d'histoire principale. Donc je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Et on va se faire après les histoires de chaque perso. Voilà. Et on commencera par Gérald. Oh, santé de départ réduite. Bon, bah du coup, là-dessus, je vous laisse. Et je vous dis à prochaine pour les chroniques d'âme avec les personnages. Allez, à la prochaine.